si tout le monde pouvait être comme toi. Oh, oh là là. Tu lui parles beaucoup ces temps-ci, non? T'es au courant qu'il comprend rien de ce que tu lui dis? Toi non plus, tu comprends rien de ce que je te dis. Chat d'amour, allez, viens manger. Achou. Tu l'as vu le chat ce matin? Non, non. Qu'est-ce qui s'est levé premier ce matin? Moi. T'as pas vu le chat? Non. Vous l'avez bien enfermé cette nuit? Ah ouais. Oh puis merde, tant pis pour toi, je vais pas t'attendre toute la nuit. Hein, chérie, on a la main. Bon, bah il est toujours pas rentré, c'est pas normal. Ah, dis, André, t'aurais pas vu notre chat par hasard? Ce matin, j'ai vu un gars dans une voiture, et il tenait un truc gris. Quelqu'un a écrasé le chat. Quelqu'un qui dort sous notre toit. Tu vas pas croire tout ce que dit André, quand même. Est-ce qu'il y en a pas un d'entre vous qui est sorti hier matin et qui a pris sa voiture? Non. Mais non. Tu crois quand même pas que l'un d'entre nous aurait écrasé ton chat? Non, fais pas ça. Non, non. J'aimerais que notre vie redevienne comme avant. T'as vu dans quel état ça la met? Non, à mon avis, y a pas que le chat. Si t'avais mis une puce à ton chat et que tu savais te servir de ton téléphone, ton chat l'aurait déjà retrouvé. Et t'arrêterais de nous faire chier.